Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes naturellement les bienvenus sur la télévision du futur, la télévision de proximité, depuis un certain temps, qui s'est véritablement lancée dans la concurrence de cette proximité avec des émissions qui refont surface, d'autres qui sont créées juste pour vous informer, vous divertir, mais aussi vous sensibiliser. Aujourd'hui, nous sommes donc à notre premier numéro de votre émission Face à nous. Face à nous, ce sont les réalités que vivent nos leaders politiques, nos leaders d'opinion à travers le territoire national. C'est la tribune qui leur est désormais dédiée sur la télévision du futur, TV+. Et pour ce premier numéro, voici la fiche biographique de notre invité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous venez de voir votre fiche biographique. Est-ce qu'il y a un élément qui manque par rapport à ce qui a été précisé? Non, l'essentiel est mis dedans. Et puis, je crois que si vous voulez, vous pouvez me poser des questions. Je pourrais vous répondre. On ne pourrait pas commencer cette émission sans nous dire que je suis avec Patrick Serrano. Patrick, bonsoir. Monsieur le Premier ministre, on va commencer avec, bien sûr, une triste nouvelle. Un de vos collaborateurs, ancien président du Sénat, René Randembino-Koniquet, est parti au-delà. Et quelle réaction par rapport à cet homme que vous avez côtoyé quand vous étiez aux affaires et pendant très longtemps? Oui, j'ai appris il y a quelques heures le décès de M. Koniquet, qui a été non seulement un aîné, mais qui a été secrétaire général de la présidence de la République, avec le titre de ministre, et qui a été également président du Sénat, c'est-à-dire au départ sénateur. Je crois que je dois saluer en lui non seulement l'aîné, non seulement le modèle, mais la personnalité qui m'a marqué parce que M. Koniquet, à mon avis, avait le sens de la rigueur dans le travail. Ça lui a valu quelques critiques, parfois des critiques acerbes, mais c'était un administratif. Un administratif doit appliquer la règle. La règle, c'est-à-dire le droit. C'était M. Koniquet. Je crois que, de ce point de vue, je dois lui rendre hommage. Et je présente, en ce moment particulièrement difficile, mes condoléances à son épouse et à ses enfants, ainsi qu'à toute la famille. Voilà donc, cette émission va s'articuler sur quatre parties. La première, il s'agira donc de revenir sur votre conférence de presse d'il y a quelques jours seulement, où vous avez réagi par rapport aux deux arrêts de la Cour des comptes. Après donc les questions relatives à ce sujet principalement, on va évoquer bien sûr votre action politique avant de revenir sur l'actualité. Et enfin, on terminera avec les questions
des téléspectateurs. Tout de suite, vous avez donc organisé une conférence de presse à votre QG, Sizan Kembo. Il était question de réagir par rapport aux deux arrêts de la Cour des comptes, vous notifiant d'avoir pratiquement soustrait une bagatelle de plus de 97 milliards de nos francs à l'État gabonais lors des faits tournants de 2006-2007 que la province de l'Estuaire a abrité. Succinctement et de façon sommaire, qu'est-ce qu'on peut véritablement dire en résumé sur cette conférence de presse? Bien. Vous voulez que je réagisse sur ma conférence de presse ou bien que je réitère à nouveau les propos que j'ai eu à tenir à cette occasion? Je dois commencer par dire que je n'ai pas encore été interpellé par la Cour des comptes. En ce sens que je n'ai pas été appelé pour être entendu. Pour être entendu. Par contre, effectivement, vous venez de le dire, j'ai été notifié de deux arrêts. De deux arrêts. Un premier arrêt qui fait état de 1 milliard 300 millions que j'aurais reçu du trésor, c'est-à-dire que le trésor m'a donné. Maintenant, il n'est pas précisé la personne qui m'a donné 1 milliard 300 millions. On dit seulement le trésor. Et que je n'ai pas effectué de dépenses d'intérêt public avec ce 1 milliard 300 millions que je ne reconnais pas avoir reçu moi et Yirindon. D'autre part, un arrêt qui fait état de 97 milliards que j'aurais reçu du Trésor, sans qu'il soit précisé qui m'a donné ces 97 milliards au Trésor pour que je puisse les recevoir, ça ce n'est pas dit, et que je n'ai pas, là aussi, effectué de dépenses d'intérêt public. Cela signifie que ces deux sommes d'argent réunies, je les ai reçues et je les ai utilisées à des fins personnelles. En tout, 98 milliards 300 millions. Alors, M. Jean Yéguendon, Premier ministre du gouvernement de la République pendant pas mal d'années quand même. Et trois ans et quelques mois avant votre démission, bien entendu, pour des raisons que tous les Gabonais connaissent. Alors, cette affaire qui vous pend finalement au nez, parce que justement, vous rendant responsable de la gestion de la manne financière relative à l'organisation des fêtes tournantes dans la province de l'Estuaire de 2006 à 2007, vous avez déjà apporté une précision au cours de votre conférence de presse en disant que vous n'étiez pas Premier ministre en 2007. Ça, c'est un fait. Et secondo, il se trouve que les sommes dont les arrêts, qui sont signifiés dans les arrêts, font état de près de 100 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut dire à ce titre que votre génie quand même a été assez étonnant, puisque 2006-2007 dans l'Estuaire, les investissements n'ont été réalisés qu'à hauteur de 2 milliards par exemple? Et il faut le faire, monsieur le Premier ministre. Bien. Je commence par rectifier un tout petit peu ce que vous venez de dire. J'étais Premier ministre à partir du 26 janvier 2006. J'étais Premier ministre jusqu'en juin 2009. Mais la gestion des faits tournants de 2006, c'est-à-dire du 17 août 2006, n'ont pas été, comme on dit, gérés par moi. Ils ont été gérés selon les modalités mises en place et par le président de la République de l'époque, je m'excuse de le citer, M. Omar Bongo Ondimba, et M. le Premier ministre de l'époque, il s'agit d'un tout humain, Jean-François, votre prédécesseur, à hauteur de 50 milliards. J'ai, comme on dit, géré les faits tournants de 2007, c'est-à-dire de
du 17 août 2007. Mais qu'entend-on par gérer quand on est président du comité des fêtes tournantes, en ce qui me concerne? Les abonnés attendent. D'accord, j'étais Premier ministre. C'était un autre problème. C'était un autre problème, Premier ministre. Président du comité des fêtes, le président Bumuma désigné, contrairement à ce que monsieur le porte-parole de la présidence de la République dit. On le cite, monsieur le Premier ministre, sans vous couper, il a dit au cours de sa sortie, avoir dirigé 100 textes ne vous absout pas de la responsabilité. Voilà. Vraiment, c'est pas mal de dire quelque chose comme ça. Et puis de la part de monsieur Bilivinze, ça ne m'étonne pas. J'affirme ici que j'ai été désigné président du comité des fêtes tournantes pour des raisons protocolaires. J'ai été le Premier ministre et comme j'ai été la première personnalité politique de l'estuaire en tant que Premier ministre, le président m'a nommé président du comité des fêtes sans texte. Qu'on vienne me montrer le texte à caractère juridique. Est-ce un arrêté, un décret ou même une circulaire? Je mets monsieur Bilivinze au défi de venir de montrer le texte qui m'a nommé président du comité des fêtes. Alors, le même porte-parole de la présidence de la République, toujours dans sa logique, dit la justice ira jusqu'au bout. Finalement, puisqu'il n'y a pas d'acte juridique vous ayant attribué cette fonction, est-ce qu'on peut dire qu'à ce titre déjà, il risque d'y avoir quand même des rebondissements? Mais moi, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai été saisi par une juridiction. J'ai dû saisir mon avocat. Mon avocat a répondu à la juridiction, c'est-à-dire la Cour des comptes, une haute juridiction financière, le juge financier de l'État. Mon avocat a répondu à cette Cour des comptes au plan juridique. Au plan juridique. En substance, l'avocat a posé le problème suivant à la Cour des comptes. Alors, monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, oui. Vous accusez monsieur Yégué, démontrez. Parce que quand on accuse, on démontre. Ce n'est pas l'accusé qui doit démontrer son accusation. C'est cela. Et, voilà. Et surtout que, en revenant effectivement sur votre conférence de presse, vous avez édifié les Gabonais. Vous allez le refaire sur ce plateau, sur les sorties de l'argent public des caisses de l'État. Et avant les sorties, mais le rôle qui a été le vôtre en tant que président du comité provincial. Parce qu'il faut édifier. Monsieur, mon rôle se limitait à la présidence des réunions des personnalités politiques, les maires, les députés, les sénateurs, les ministres, originaires ou en fonction dans la province de l'Estuaire. Autrement dit, à la délégation. Ces personnalités venaient décliner les projets qu'elles avaient arrêtés dans leur localité respective. Et puis, le ministre des Travaux publics prenait ces projets et il lançait des appels d'offres. Moi, je n'étais plus impliqué. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, au cours de ma conférence de presse, que c'était purement protocolaire. Mais les gens qui tournent autour, qui font croire que, par exemple, Billy Binzer ou certains journalistes de vos confrères de Télé Africa, qui font courir le bruit comme si M. Yégué était impliqué dans le maniement des fonds publics, je dis non. Puisqu'il y a le décret 653 qui prévoit la responsabilité des ordonnateurs que je n'étais pas, ou des comptables publics que je n'étais pas. Ce décret prévoit leur responsabilité. Moi, je n'étais donc pas responsable, puisque je n'étais ni ordonnateur ni comptable public. Je ne pouvais pas être auteur d'une gestion de fait, comme dit la Cour des comptes. C'est ce que je dis. Et aujourd'hui, la question est en suspens, monsieur le Premier ministre. Nous expliquer aux Gabonais qui nous regardent les procédures, il y a cela, mais on remarque également que ça soit dans l'opinion, que ça soit dans la presse, personne ne fait mention justement de ces ordonnateurs qui, à la limite,
sont au cœur du décaissement des fonds publics. Bien sûr, les ordonnateurs. Vous avez raison de me poser la question. Et je voudrais dire à ce propos que beaucoup de gens, en tout cas à mon sens, ne savent pas comment est organisé l'État. L'État. Il y a le président de la République, il y a le premier ministre, et puis il y a le gouvernement. Et dans le gouvernement, il y a le ministre des Finances, ou le ministre du Budget, qui a avec lui des hauts fonctionnaires. Lui-même, ministre des Finances, il est ordonnateur principal du budget de l'État. Il y a le directeur général du budget qui est l'ordonnateur délégué du budget de l'État. Il y a le trésorier payeur général qui est le comptable principal du budget de l'État. Voilà les ordonnateurs et les comptables publics de l'État. Le Premier ministre n'est pas comptable public de l'État, ni ordonnateur. Mais vous avez, qu'on sorte les textes. Vous avez quand même pu faire sortir 98 milliards. Hein? Ah, mais ça, c'est ce que les gens prétendent. C'est ce que les gens prétendent, mais sur la base de quoi? Il y a la loi depuis de 1975 sur la comptabilité publique qui prévoit tout cela. Le Premier ministre n'est pas concerné. Le Premier ministre fait la politique du gouvernement. Il donne des instructions, il signe les textes. Mais le Premier ministre ne manie pas l'argent. Même le ministre des Finances ne manie pas l'argent. Je dirais même, ni le directeur général du budget ne doit manier l'argent. Il travaille sur la base des papiers. Et ce sont les caissiers, les agents subalternes, qui manient l'argent. Quand les fonctionnaires vont toucher les salaires au trésor, ou bien quand on va régler un problème d'argent au trésor, devant la caisse, on trouve le TPG. Ou bien le directeur général du budget, ou le ministre des Finances. Ça fait pas sérieux. Mais enfin, franchement, on dit quoi dans ce pays? Bon, justement, mais vous étiez quand même le président de cette commission, vous aviez quand même le feedback de certaines procédures et des projets qui se déroulaient. Comment ça se fait? Vous savez, la dernière fois, j'ai dit que une partie, ou même tout le budget prévu à l'occasion de la fête des fêtes tournantes, était déposé dans une banque privée de la place. Bon, j'ai enregistré des cris dans la salle, quand je l'ai dit, parce que les gens voulaient que je dise que c'était à BGFI. Mais, messieurs, je vous demande, est-ce que vous pensez que c'est moi, Premier ministre ou président du comité des fêtes, c'est moi qui donnais des ordres pour que l'argent public, l'argent du budget de l'État, pour que cet argent aille du trésor ou de la banque centrale pour BGFI. Vous pensez que c'est moi? Moi, je vous dis que ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas moi. Je ne peux pas vous démontrer le contraire. Mais lorsque vous avez été au courant de ces transferts de fonds du trésor vers une banque privée, quelle était votre réaction en tant que président? Mais bien sûr, c'était l'étonnement. C'était l'étonnement. Parce que je l'ai su. Comment? Je l'ai su dans un milieu où je ne pouvais pas enlever la veste, bien la cravate, parce que je suis fâché, où je ne pouvais pas pousser les cris. Mais ça se faisait. Vous savez, les gens veulent qu'on parle. Tentez de parler quand même. Monsieur. Les gens veulent qu'on parle. J'ai été Premier ministre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Quand, étant à la présidence de la République, j'ai su ce que je viens de vous dire, à savoir que l'argent était viré dans une banque privée. Vous voulez que je fasse quoi? Étant à la présidence de la République. J'étais à la présidence de la République quand je le suis. Vous voulez que je fasse quoi? J'étais Premier ministre. Est-ce que vous avez discuté avec le président? Mais je ne peux pas vous dire le contenu de mes conversations avec le chef de l'État. Il n'est pas là. Il n'est plus là. D'accord. Alors, est-ce que c'est... Je suppose que c'est clair. C'est pour le moins clair déjà pour nous, mais les Gabonais ont bien besoin de savoir justement. Il y a que dans cette situation, l'opinion peut percevoir ce qu'elle considère aujourd'hui comme un acharnement vis-à-vis de votre personne,
comme également une chasse aux sorcières, en voulant mettre en avant vous qui avez été Premier ministre, oubliant le fait que, ayant été par ailleurs président de l'organisation des fêtes tournantes dans l'Estuaire, que vous n'étiez pas seul, que vous étiez là à titre honorifique et que les pouvoirs étaient sans doute délégués. Mais lorsque l'on parle de la non-implication du politique dans cette affaire, qui est une affaire judiciaire, que répondez-vous à ça? Bien, c'est vous qui présentez l'affaire comme ça. Cela a été dit. Mais c'est une réalité aussi. Vous savez, j'ai démissionné le 16 juillet, vous l'avez dit tout à l'heure, 2009, de mon poste de Premier ministre, après avoir fait un discours devant le corps du défunt président Omar Bongo Ondimbal. Un discours dont la nation se souvient. J'ai donc démissionné. Vous croyez que j'ai démissionné pour rien? Parce que certains ont estimé que j'ai trahi. J'ai trahi qui? Le président Bongo. Je l'ai trahi en quoi faisant? En disant ce que j'ai dit. En disant que le président, lors de ses dernières interventions, lors de ses dernières conversations avec moi et avec d'autres, ne cessait de répéter, il faut pratiquer la démocratie dans le pays. Il faut pratiquer la démocratie. Et quand moi, Premier ministre, je me suis aperçu que certaines personnalités montaient carrément un complot. Je ne l'ai pas caché, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Un complot, d'abord pour m'enlever. Pourquoi voulait-il m'enlever? Peut-être que j'ai été gênant. Mais pourquoi j'ai été gênant? Sans doute parce que il considérait que, voulant faire un complot, j'étais... Je n'allais pas marcher. Peut-être aussi parce que c'était le rival du fils. Je n'étais pas prétendant, peut-être le fils. Le fils était mon ministre. Moi, j'ai été Premier ministre. Et puis, quand ils voulaient m'enlever, mais ils ont tout fait pour vouloir mettre mon petit-fils à ma place. Pour ça, pour qu'on arrondisse un peu, puisque là, ça restait en famille. Il pensait que j'allais me contenter de ça, ou que mon petit-fils allait se contenter de ça. Mon petit-fils a refusé. Évitant l'affront avec son grand-père. Il a refusé parce que ça ne correspondait pas à l'éthique, à son éthique et à mon éthique. Et ça ne correspondait pas à l'éthique de la République. Est-ce que vous trouvez normal qu'un responsable du parti, un responsable de l'Assemblée, et le ministre de la Défense puisse s'entendre en secret pour limoger le Premier ministre? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est la preuve d'ailleurs, je dois dire, c'est la preuve qu'un coup d'État était en préparation. C'est pourquoi j'ai démissionné. Bon, j'entends les gens dire, à commencer par le porte-parole du président de la République, j'entends donc les gens dire, oui, ces gens-là sont aigris, ils sont fâchés, ils ont faim, ils ont envie encore de revenir au pouvoir. Moi, j'ai quitté volontairement le pouvoir. J'ai quitté volontairement le pouvoir parce que j'aurais pu rester et négocier un poste avec M. Ali Bongo. Si j'étais un opportuniste, si je n'avais pas l'éthique du pouvoir, si je n'étais pas respectueux de certaines valeurs, c'est pourquoi je suis parti. Je suppose que c'est clair, malgré la mauvaise foi des gens. Comment faut-il expliquer cela à ceux qui nous dénigrent? Lors de la rentrée de l'Assemblée nationale, il y a quelques heures seulement, le président Guizou Bandama, du haut de sa tribune, a dit haut et fort à qui voulait l'entendre qu'il n'était nullement question de parler politique, il était question de justice. Mais lorsque on se rend compte que les noms qui sont cités sont pratiquement ceux qui sont partis du PDG et que ceux qui sont restés au PDG, qui ont également géré ces faits tournants, ne sont pas inquiétés. Est-ce que, bizarrement, votre thèse ne trouve pas l'assentiment de pratiquement de l'ensemble des Gabonais? Cher monsieur, je dois dire, chacun fait son analyse. Je dois dire que certains qui sont encore au pouvoir s'agitent
il s'agit à raison. Expliquez-nous. Il s'agit à raison. Vous venez de rappeler ce que le président de l'Assemblée nationale a dit sur cette gestion des faits tournants et sur les procédures judiciaires. Mais il a raison. Il a raison de dire que il s'agit des affaires judiciaires. Le président de l'Assemblée nationale a raison de le dire. Mais personne n'est naïf, personne n'est dupe. Mais il n'a pas raison quand il dit qu'on ne doit pas les transporter, je le cite de mémoire, sur le champ ou dans le champ de la politique. Là, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Qui ignore que lorsque on vise dans une affaire judiciaire, l'ancien Premier ministre, qui est parti du PDG dans les conditions qu'on sait, qui ignore que c'est de la politique? Qui ignore ça? Et puis, je peux même me permettre de dire tout haut ici que monsieur le premier président de la Cour des comptes, qui a signé ces arrêts me concernant, enfin, franchement, monsieur Ngourakia, puisqu'il s'agit de lui, il peut me dire pourquoi il a signé de tels arrêts sans contenu, avec des sommes aussi extravagantes que 97 milliards. Mais enfin, franchement, on se connaît dans ce pays. On se connaît. Et puis, s'il vous plaît, je rappelle, et je l'ai dit au cours de ma conférence de presse, au cours d'une séance de questions orales au gouvernement, j'étais Premier ministre, j'avais eu à suggérer que s'agissant des faits tournants, mon point de vue était que le président devait s'entourer de quelques experts, 15 au maximum, pour définir les projets qui lui paraissaient utiles dans chaque province, à l'occasion de la fête dans chaque province. Mais la réplique qui m'a été faite dans l'hémicycle ce jour-là, qui en substance revenait à me dire que je n'ai pas de leçon à donner au chef de l'État. La réplique venait de qui, M. le Premier ministre? D'un parlementaire. Que les Gabonais eux-mêmes comprennent. Et en parlant toujours des faits tournants, puisqu'on va en tirer vers la fin de cette première partie, on va aborder quand même cet audit qui a été réalisé, que nous avons trouvé dans nos recherches, qui a été commandité par le gouvernement, c'était novembre 2005, par un cabinet associé audit et conseil des AG de France, audit technique et financier des projets financé par le fonds pour le 17 août. Je ne suis pas encore concerné. Mais on se rend compte que ce travail a commencé dès le lancement de cette deuxième phase, on peut l'assimiler ainsi, de ces faits tournants jusqu'à la fin. Parce que là-dedans, ils ont fait un travail récapitulatif de toutes les faits tournantes dans l'ensemble des provinces du Gabon, mais quelque part, les experts français qui ont donc fait ce travail ont notifié qu'ils ont eu accès aux pièces comptables dans pratiquement 7 des 9 provinces. L'Estuaire fait partie des provinces qui ont présenté bien sûr les pièces justificatives. Il n'y avait que 2 provinces qui n'avaient pas de pièces comptables, la province de Loguelolo et la province du Haut-Ogooué. L'audit est disponible. Et le Haut-Ogooué. C'est écrit noir sur blanc. Les auditeurs ont rencontré pas mal de difficultés. Et ne sont pas rentrés en possession de certaines pièces comptables pour des projets énoncés dont les décaissements de fonds avaient été faits, mais les projets n'ont pas été réalisés sur le terrain. Et pour être plus clair, les documents techniques, les difficultés d'accès auprès de certains responsables ont conduit les ingénieurs à tenter de compléter cette collecte auprès du Trésor. Il en a résulté que 2 provinces ont été soit peu, soit pas auditées du tout. Il s'agit du Haut-Ogooué et de Loguelolo. Lorsque vous prenez connaissance de cet audit,
qui a été élaboré par des experts français, puisque c'est, on va dire, c'est à la mode, hein, parce que pour nous dire que le Gabon est pauvre, on est parti chercher des experts anglais, et les experts français qui nous disent qu'il y a deux provinces qui ont refusé pratiquement d'être auditées. Quelle réaction vous avez lorsque vous prenez connaissance de cet audit? Et en rapport avec ce qui semble vouloir peser sur vous aujourd'hui? Mais, si je me taisais, si je gardais le silence devant un tel document, personnellement, je ne considère pas que c'est une c'est quelque chose qui doit étonner les Gabonais. Qui doit étonner les Gabonais? Je m'excuse. Je n'indexe pas telle ou telle province. Mais vous parlez de la province du Haut-Togo. Vous parlez de la province de Loboué-Lolo. Les deux provinces qui constituaient, pour certains, les deux jambes du régime de Bongo. Bongo père, le Haut-Togo et Loboué-Lolo. Le Haut-Togo-Lolo, autrement dit. Si vous voulez. Je crois que ce commentaire suffit pour que les gens tirent des conclusions par rapport à ce que les experts disent dans ce document. On va vous poser une question peut-être directe et vous répondez directement parce que les Gabonais, ils aiment ça, ils adorent ça, ils voilà. Préfèrent des questions directes. Est-ce que vous dites aux Gabonais aujourd'hui que vous n'êtes pas en possession de ces 97 milliards, que vous ne connaissez pas Vous ne connaissez pas avoir sorti de les caisses de l'État 97 milliards. Je réponds directement, puisque c'est ce que vous me dites, et simplement, je ne les ai pas. Je ne les ai pas parce que 97 milliards ou 98 milliards, même le trésor public, c'est-à-dire à côté des finances, là, vous ne pouvez pas trouver une telle somme là-bas. Vous pouvez trouver cette somme à la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui emmagasine des sommes aussi importantes. Parce que c'est la Banque centrale qui distribue de l'argent aux banques privées, au trésor, puis dans certaines agences comptables. Mais franchement, 98 milliards, sur quel compte on m'a viré ça? Sur quel compte? Sur mon compte? Allez à Abissi, vous trouverez mon compte. Là-bas où est votre compte? Oui, j'ai mon compte à Abissi. Et les gens sont au courant du contenu de mon compte. Et des mouvements financiers. D'accord. La justice continue son travail. Bien sûr. Monsieur le Premier ministre, justement pour clore cette première partie, je m'en vais vous poser une question tout aussi directe. Et si la justice persistait dans sa démarche, qui est la démarche actuelle, vous allez continuer à vous taire? Non. Si la Cour des comptes me convoque à la suite de ces deux arrêts et à la suite de la réponse que mon avocat lui a adressée, si cette Cour des comptes me convoque, je serai donc devant une juridiction. Cette juridiction va certainement me poser des questions auxquelles je devrais répondre. Mais, puisque vous voulez que je cite les noms, puisque vous voulez que je dise certaines choses que je n'ai pas dites jusqu'ici, peut-être à cette occasion, je pourrais être plus prolixe que le porte-parole de la présidence de la République, qui semble-t-il a une mémoire d'éléphant. Il a une mémoire d'éléphant, mais à ce sujet, je profite de votre antenne pour dire que l'actuel Premier ministre a aussi une mémoire. L'actuel Premier ministre, Ondo Daniel, il a une mémoire aussi quand il était recteur à l'université, n'est-ce pas? Bien sûr, merci. S'il vous plaît, je sais que le porte-parole qui porte la parole publique du président de la République, il a été recruté, c'est bien, pour des raisons que je ne connais pas. Mais, puisqu'il a parlé de moi,
Je peux aussi un peu parler de lui en quelques secondes pour dire que lorsqu'il venait à la primature, étant ministre délégué, je crois, à la culture ou à la communication, mais M. Bilibizé, sur le plan moral, sur le plan moral, je dis bien, il n'a pas de leçon à me faire. Quand il venait critiquer Mbab Sol, qui était son mentor à l'époque, qui était son mentor, en disant qu'il est pingre parce que Mbab Sol ne lui donnait pas l'argent pour aller à Makoukou. Un, M. Bilibizé, qui a la mémoire, qui se souvient que quand je suis passé à l'Assemblée, j'ai prétendu que la prison de Makoukou était construite. Oui, je l'ai dit, elle n'était pas construite, mais je l'ai dit, c'est sur la base des informations écrites qui m'ont été données par les collaborateurs. Est-ce que mes propos constituent une faute morale ou une erreur? Ou bien la preuve du dysfonctionnement en matière d'information de l'administration. C'est une faute morale. C'est une faute morale que je l'ai dit, comme il a commis une faute morale en faisant un chèque sans provision pour, paraît-il, vouloir acheter une voiture. Mais, s'il vous plaît, les hommes publics, et M. Bilibizé est un homme public, parce que c'est lui le porte-parole du président. Il porte sa parole. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Il ne doit pas dire n'importe quoi. Et sur n'importe qui. Surtout pas, il ne doit pas parler d'une manière vulgaire des anciens responsables du pays. Bah, puisque finalement, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Mais qu'on prenne du neuf de qualité. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va rebondir sur votre conférence de presse parce que vous avez lancé ce que vous avez appelé l'appel d'un Kembo pour rentrer maintenant sur des questions politiques. Vous êtes aujourd'hui vice-président de l'Union nationale dissoute. Vous êtes aussi signataire du Front uni de l'opposition pour l'alternance au Gabon. Concrètement, on s'interroge et vous restez un personnage énigmatique pour certaines personnes parce que... Et un personnage très respecté aussi. Très respecté. Aujourd'hui, Eyegendon, vous êtes allé au municipal alors que certaines formations politiques du groupe de l'UFA avaient décidé de ne pas y aller ou d'utiliser la bannière UFA. Vous êtes allé avec vos listes. On vous revoit à signer l'adhésion au front. Finalement, où est-ce que vous êtes situé? Tout cela est logique. C'est la ligne droite. J'ai évolué tout droit. Je ne bifurque pas. Vous voulez dire que cela se fait en politique. On peut bifurquer en politique. Mais moi, à vous écouter, je ne bifurque pas. J'ai été candidat aux élections locales. Je suis allé faire ma déclaration à la Chambre de commerce, au vu et au su de tout le monde, parce que j'estimais que ne pas aller aux élections locales était une occasion pour l'adversaire de rafler tous les postes de conseillers municipaux et les postes de maire. Ça n'a pas été le cas parce que j'ai été candidat avec un certain nombre d'autres compatriotes. J'ai été candidat parce que j'estimais que c'était là l'occasion de montrer que le pouvoir n'est pas en phase avec la valeur transparence, aux élections. On a beaucoup glosé sur la biométrie. Aux élections locales, vous pensez que c'était ça, la biométrie? Pas d'authentification, pas d'identification? Alors que vous aviez longtemps réclamé cela? Alors qu'on l'a réclamé, c'était ça, la biométrie. Et puis, c'était pour moi une occasion, pour moi en tout cas, et même pour tous les Gabonais, de voir que le pouvoir ne veut pas de l'alternance. Pourquoi? Le PDG
et le CLR ont géré la municipalité de Libreville des années durant. Ces deux formations ont lamentablement échoué dans la gestion de Libreville. Les Gabonais s'en plaignaient et ils continuent de s'en plaindre. Il est étonnant que, aux élections, ces deux formations politiques aient la majorité. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Les gens qui ont échoué, et puis tout d'un coup, le même peuple, le peuple de Libreville, leur accorde encore la confiance. Mais enfin, franchement. Ça allait briser cela? Franchement. Mais vous voyez, et puis, nous avons fait les élections. Dimanche soir, les résultats auraient pu être connus. Les résultats de Libreville, on a attendu presque mercredi, pour ne pas dire jeudi, très tôt le matin, jeudi, de dimanche à jeudi, pour qu'on sache les résultats des élections. Vous savez, on sait ce que ça signifie. On sait ce que ça signifie. C'était pour prendre le temps d'ajuster les choses et voir comment on peut faire. On met le PDG devant. Bon. Comme les indépendants, les listes indépendantes, a gagné à Libreville, bon, on nous met deuxième. Et on met à celle troisième avec le CLR. Afin de combiner le PDG et le CLR pour qu'ils me laissent tout seul. Et puis, voilà, on dit la majorité présidentielle, puisque c'est ça, a gagné les élections à Libreville. Et puis, il leur faut la mairie. C'est simple. Je m'y attendais, mais je voulais le voir. Concrètement, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Monsieur Jean-Yves Vindon, le temps qui nous est imparti, il tire progressivement à sa fin. Alors, on dit de vous souvent quelqu'un de très pragmatique. C'est ceux qui pensent que vous l'êtes, en tout cas. Et on vous voit déjà aussi en train de postuler à la tête de ce front pour être... le fameux candidat. Vous voulez que je vous réponde? Répondez-nous, monsieur le Premier ministre. Vous voulez que je vous réponde? Ce matin, votre confrère d'Union s'est fendu d'un article. Dans cet article, il me présente comme candidat à la candidature. Pour une candidature. Parce que j'ai fait un appel, l'appel d'un Kembo. Il conclut, ou bien il déduit, que je suis concurrent de M. Ping. Et que, dans ma déclaration, j'ai dit, et je le confirme, que le candidat unique de l'opposition devra être un vrai Gabonais, quel que soit son ethnie et quelle que soit son origine. C'est-à-dire un vrai Gabonais. Moi, Ping est un vrai Gabonais. Qui ne l'est pas? Je connais Ping, c'est un vrai Gabonais. Je ne sais pas s'il y a des faux Gabonais, mais Ping est un vrai Gabonais. Et vous aussi, vous êtes un vrai? Oh, mais bien sûr. L'enfant du quartier. Et là, on rebondit sur la question Mais quand votre confrère de l'Union tire des conclusions, il paraît que... Je prends en compte le fait que Ping est un afro-asiatique. Mais c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ping est un vrai Gabonais. Je connais Ping avant d'entrer au gouvernement. Je l'ai connu quand on était au gouvernement. Et je le connais encore, puisqu'on se voit d'ailleurs presque tous les jours. Ce journaliste de l'Union prétend que Ping boudait mes conseils interministériels. Mais Ping était ministre, vice-premier ministre, chargé des affaires étrangères. Il était souvent en déplacement. C'était tout à fait normal qu'il soit absent à certains conseils interministériels, comme il était souvent absent à certains conseils des ministres. Vous voyez cet esprit-là, mesquin, vouloir diviser les gens. Mais le monsieur qui a signé cet article-là, il sait très bien qu'il ne réussira pas à m'opposer à Ping. Et puis... nous n'avons pas encore désigné de candidat dans l'opposition, dans la vraie opposition, la véritable opposition. Donc il y a une fausse opposition. Je suis un vrai opposant.
Certains disent que opposant radical, ils peuvent dire ça. Mais moi, je dis, je suis de l'opposition véritable, véritable dans le contexte actuel de notre pays. Et quand on regarde le combat politique aujourd'hui, on se rend véritablement compte qu'il est pratiquement envahi par des déclarations qui fusent de part et d'autre. Chaque leader qui veut se défendre, Pierre Claver Manganga-Moussavou, qui est aussi taxé d'avoir volé de l'argent par le porte-parole de la présidence, qui réagit, qui vient aussi, qui veut chercher à se dédouaner. Il y a aussi ceux qui sont aujourd'hui dans les geôles, oui ou non, puisque nous n'avons jamais reçu d'image ni d'autorisation d'aller filmer véritablement si ceux qu'on a arrêtés pour ces fonds-là étaient véritablement internés dans à la maison d'arrêt de Gros Bouquet. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'opposition mine pratiquement les débats. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition a trouvé de l'élan et de l'allant pour systématiquement aller vers cette alternance dans notre pays, voulue par les Gabonais? Nous sommes en train de nous y employer. Nous, du front, nous nous employons à aller affronter cette échéance, qu'elle soit en 2016, ou avant 2016, ou après 2016. Nous sommes décidés. Nous sommes décidés. Mais pour parler des déclarations, vous savez, il y a trop de déclarations dans notre pays-là. Parce qu'un collaborateur qui travaille à la présidence de la République, donc du président de la République, qui fait des déclarations selon lesquelles on doit exterminer un groupe ethnique, ce compatriote jusqu'à aujourd'hui, n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Mais quand même, posons-nous des questions. Ce n'est pas à vous deux que je pose cette question. C'est au pouvoir et à la population gabonaise. Comment cette population gabonaise reste indifférente face aux déclarations de cette nature? Ce ne sont pas des mots hideux, ça, M. Jean Yérindo? Pardon? Des mots hideux. Hideux, ce sont des termes. Hideux ou haineux, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voici la preuve, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre Gabon. Des Gabonais ou des non-Gabonais qui déclarent qu'on doit exterminer un groupe ethnique. Mais enfin, et ça reste comme ça. Personne ne fait rien. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi, je vous pose la question. À votre avis, qu'est-ce que la population aurait pu faire? Mais la population aurait pu sortir dans la rue pour réclamer qu'on le sanctionne, ce Gabonais-là. Mais la population n'est pas sortie dans la rue, autant que je me souvienne. Il paraît qu'il s'appelle M. Oganaga. Et qu'il est d'ailleurs métis. Comme par hasard, il est métis. Et donc, vrai Gabonais. Il est métis. Il est métis. Il s'appelle Oganaga. Il peut être gabonais puisqu'il s'appelle au Ganaga. Voilà, monsieur le Premier ministre. Bon, nous n'allons pas... On va tout de suite aller aux questions. Des téléspectateurs. Il n'y en a pas beaucoup pour cette fois, parce que l'actualité était abondante, même si on doit revenir quand même sur la démission des membres du gouvernement, après les questions du téléspectateur. Peut-être répondre déjà à cette question, ce courage que l'on attribue au professeur Léon Zuba, si on peut appeler ça courage. Si on peut appeler cela courage. Après Pierre Claver, Mme Moussavou, on s'en souvient, au ministère de la planification. Après Paul Biyoremba, en son temps, qui a bien entendu claqué la porte du PDG. Et après vous, qui avez claqué vaillamment la porte du gouvernement en démissionnant de la primature, il y a le professeur Léon Zuba qui a démissionné. Monsieur le Premier ministre. Mais il faut restituer les contextes sont différents. On parlait de courage. Moi, je pense que je ne voulais pas faire de commentaires sur cette démission. Mais j'ai lu dans la presse du pouvoir, qu'on a rendu hommage à M. Zuba, qui a fait preuve d'honneur. Etc. Mais tout ça est dit avec toute la mauvaise foi du monde. Avec toute la mauvaise foi du monde. Je n'ai rien à dire sur M. Zuba. Moi, je n'ai rien à dire sur la personne.
Mais moi, je dis que les commentaires ou le Makaya qui est sorti juste après, c'est de la mauvaise foi. C'est tout ce que je dis concernant la démission de Zuba. C'est de la mauvaise foi du pouvoir. La mauvaise foi du pouvoir. Nous allons accueillir un téléspectateur avec nous sur ce plateau qui aura sans doute deux questions à vous poser, Monsieur le Premier ministre, ancien Premier ministre pour certains, qui effectivement nous suivent aujourd'hui. Monsieur, il va se présenter, c'est un téléspectateur gabonais qui a deux questions à vous poser. Monsieur. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Ndong Patrick. Je suis juriste, donc par rapport au contexte actuel, je me sens un peu interpellé. Et au regard ou bien à l'examen de votre dernière conférence de presse, il y a que j'ai relevé certaines curiosités juridiques au niveau de la procédure qui a été faite contre vous. Donc j'aurais voulu que vous nous éclairiez un peu si vos conseils juridiques ont tenté de vous expliquer comment ça se passe. Ma question était vraiment très simple. Et très simple, c'est, je voudrais savoir, à la lumière ou au prisme des principes du procès, on sait que lorsqu'il y a un procès, il y a ce qu'on appelle le respect des droits de la défense. Je me pose la question de savoir si ce principe a été respecté ou si oui, comment les choses se sont passées actuellement, juste actuellement. Bien. Merci de me poser cette question. J'ai reçu les deux arrêts de la Cour des comptes. J'ai reçu les deux arrêts de la Cour des comptes qui me condamnent. J'ai exprimé mon étonnement. Mais je sais qu'à la Cour des comptes, il y a des procédures. Il y a des arrêts provisoires et des arrêts définitifs. Cet arrêt dont je fais l'objet, ces arrêts dont je fais l'objet, sont des arrêts provisoires. Mais l'article 58, je crois, de la loi sur l'organisation de la Cour des comptes, la compétence et tout ça, prévoit que le justiciable doit être informé des éléments qui sont portés contre lui. Après ces justifications, à partir de ce moment-là, la Cour des comptes prend un arrêt définitif. Je n'ai pas eu les éléments avec moi qui m'auraient permis de m'expliquer. Mais, vous-même, vous voyez, il s'agit quand même de deux grosses sommes d'argent. Un milliard, c'est une grosse somme, mais 97 milliards. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 97 milliards? Qu'est-ce qui a empêché la Cour des comptes de me téléphoner ou de m'écrire ou même d'envoyer la police me chercher pour que j'aille m'expliquer devant elle avec à l'appui des éléments que j'aurais pu lire et avec mon avocat, j'aurais pu m'expliquer afin que la Cour des comptes fasse son arrêt provisoire. Qu'est-ce qui empêchait la Cour des comptes de le faire? Ce n'est pas pour rien que j'ai porté l'affaire sur la place publique. Puisqu'il s'agit de l'argent public, l'argent des Gabonais qui paient les impôts, il fallait que les Gabonais sachent qu'il y a un Gabonais qui est accusé et puis la manière n'y est pas. Eh bien, tout le monde s'empare de cette affaire. Souci de clarté. Voilà. Deuxième question, pour terminer. Pour terminer, c'est justement, vous l'avez déjà relevé, c'est-à-dire que pour moi, lorsque je pousse un peu l'analyse un peu plus loin, je trouve effectivement que l'objet même, parce que là, on vous dit bien que la Cour des comptes vous somme de produire. Le produire un compte de gestion. On se pose la question, est-ce que c'est le justiciable qui doit produire ou bien c'est la personne qui poursuit qui doit produire, voilà. Pour justement consolider ces accusations. Voilà. Donc, ce sont ces questions que vraiment je voulais partager avec vous pour que vous nous dites, vous dites au public, est-ce que la procédure est respectée pour l'instant ou bien s'ils ont péché, vous aurez dû ou bien vous pouvez avoir, vous avez l'occasion là de faire opposition ou bien appel avant les 3 mois de délai que. Voilà. Vous êtes juriste. Oui.
Et d'autres Gabonais, il y en a des centaines au Gabon qui sont juristes. Voilà, donc c'est la réponse que je pouvais donner. Voilà. La réponse, justement, c'était des réponses aux deux questions que se posent les téléspectateurs, déjà, qui sont nombreux, mais il y a un que l'on a reçu sur ce plateau. Il faut rappeler simplement que d'autres pourraient éventuellement poser des questions à tous ceux qui seront sur ce plateau, hommes politiques, leaders d'opinion, qui seront avec nous sur ce plateau. Les Gabonais pourraient évidemment être en face d'eux, comme notre compatriote, pour évidemment poser des questions. Il suffit tout simplement de nous appeler au numéro qui s'afficheront donc au bas de la passerelle ou bien à notre page Facebook et vous serez sélectionné pour poser les questions à nos invités. Monsieur le Premier ministre, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Peut-être une conclusion succinctement avant de nous séparer. Par rapport déjà à l'émission et par rapport au débat qui a eu lieu ici. Je félicite TV+. Et en l'occurrence, vous deux, pour avoir mis au point une telle émission. Je crois que c'est face à nous. C'est une bonne émission, en ce sens qu'elle permet à tout le monde de venir ici s'expliquer ou de venir faire des commentaires sur l'actualité et d'instruire. Le commun des Gabonais. C'est une très bonne chose. Malheureusement, je dois le dire également, vous ne disposez pas de suffisamment de matériel. C'est l'occasion aussi de demander au pouvoir ce qu'il fait de votre matériel qui est confisqué. C'est aussi l'occasion de demander au pouvoir ce qu'il fait de votre matériel qui est confisqué et pourquoi il est confisqué. Vous le dites tous les jours et moi je fais appel au CNC pour qu'il intervienne un peu sur cette question. Qu'est-ce que je pourrais encore dire aux Gabonais? Je voudrais dire aux Gabonais qu'il est nécessaire que nous nous rassemblions dans ce pays, au-delà de nos divergences politiques. Nous devons avoir comme Bible, nous tous, au Gabon, la démocratie. La démocratie. La démocratie électorale. La démocratie électorale. C'est parce qu'on n'a pas voulu de la démocratie électorale que je suis parti. Que je suis parti de ce qu'on appelle le pouvoir. Je suis parti de moi-même. Je ne suis pas aigri. Je ne suis pas aigri, mais je suis fâché contre certaines personnes qui ne veulent pas de la démocratie. Parce que si on voulait de la démocratie dans ce pays, depuis que Bongo est mort, Bongo Ndimba, qui voulait qu'on respecte la Constitution, c'est-à-dire la démocratie, puisque la démocratie est prévue dans la Constitution. Ali Bongo n'aurait pas été élu président de la République. Ou du moins, il n'aurait pas été déclaré président de la République par la Cour constitutionnelle. Je le dis en pensant fortement à Madame Bourantou et tous les conseillers d'ailleurs de la Cour des comptes. Si on voulait de la démocratie au Gabon, mais il n'y aurait pas eu des interférences de l'étranger sur le scrutin présidentiel du 30 août 2009. Donc, les Gabonais, malgré ce déficit de démocratie, doivent quand même se rassembler au-delà des divergences politiques pour respecter la démocratie. Parce que les prochaines élections présidentielles, je ne sais pas quand elles auront lieu. On parle de 2016. On parle de 2016, c'est l'échéance normale, mais on ne sait jamais. Si ce qui s'est produit en 2009 se répète, le pouvoir doit savoir que les choses ne vont pas se passer comme ça. Le Gabonais ne se laissera pas faire. Je le dis simplement avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire ma bouche, mais c'est ce que pensent les trois quarts, pour ne pas dire les 95%,
des Gabonais. Parce que les Gabonais veulent se reconnaître dans leurs dirigeants. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui cherchent à se faire aimer. Mais vous savez, lorsque quelqu'un n'est pas dans ton cœur, tu auras beau tout faire, il ne sera jamais dans ton cœur. Ou tu ne seras jamais dans son cœur. C'est pourquoi, dernier mot, le grand projet à côté de nous, la Marina, qui va reprendre. Si, bien sûr, c'est ce qu'on a dit dans l'Union qui va reprendre. Si nous avions la sagesse dans la conduite des affaires de l'État, on ne devait pas déjà entreprendre ce gros cet ambitieux projet. Il y a des urgences dans notre pays. Pensez-vous qu'il est normal de s'engager dans un projet aussi ambitieux que ça, alors que juste à côté, derrière l'hôpital, qu'on appelle ça la vallée des cochons, toutes les routes secondaires de Libreville sont en piteux état et la saison des pluies va arriver. Et on veut commencer déjà un projet de cette envergure. Et puis, nous savons, puisqu'on a dit ce matin qu'un deuxième accord a été signé. Un deuxième accord. Mais qu'est-ce que c'est devenu le premier accord? Qu'est-ce que c'est devenu le premier accord? Vous voyez? De l'incohérence. De l'incohérence. C'est bien. Les ambitieux projets. C'est bien qu'on se lance dans de grands travaux. C'est normal, moi je salue cela. Mais attention, il faut choisir. Il faut choisir. Parce que, vous savez, le peuple gabonais a besoin de manger d'abord. Il veut d'abord manger. C'est-à-dire se loger, manger, se vêtir et puis avoir un bon logement. Se soigner. Ça, c'est la priorité du Gabonais. Voilà ce que je peux dire modestement. Et moi, je vous encourage, encore une fois, de continuer à vous battre avec TV+. En dépit des souffrances qu'on vous fait subir, puisque vous travaillez dans des conditions pas agréables du tout. Merci donc, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je le rappelle, nous recevions Monsieur Jean Eyeguedon, ancien Premier ministre, actuel vice-président de l'Union nationale dissoute, qui était donc face à nous dans ce premier numéro. J'étais accompagné de Patrick Serrano. Patrick, merci. Demain, ça sera donc votre tour, si vous êtes leader d'opinion, d'être assis face à nous pour répondre donc à nos questions et aux questions des téléspectateurs de TV+. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, bien sûr, très prochainement. Même chaîne de télévision, même heure, même fréquence. Au revoir. Au revoir.